Bonjour, soirée consacrée au voyage au Resteria. Le cinéma de Retiers accueillait deux vidéastes voyageurs et notamment Philippe Jacques. Philippe Jacques a parcouru 8000 km à pied avec un chariot de 40 kg. Une aventure entre l'Égypte et Saint-Jacques-de-Compostelle pour porter un message de paix. Alors, le voyage a débuté en octobre 2006 jusqu'en fin 2007, donc à pied, hein, une marche pour la paix, en partant d'Égypte pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, donc 12 mois plus tard, après avoir traversé 14 pays. Ben, ça se fait facilement dans la mesure où j'avais déjà une expérience de voyage. Alors c'était ma première marche, mais par contre j'avais roulé durant 6 ans à vélo autour de la Terre. Et donc j'avais l'expérience du voyage, c'était pas la même chose, mais j'étais habitué à camper au bord de la route et à manger un peu toujours la même chose. Effectivement, ce voyage c'était un message de paix, de fraternité, et c'est un peu ce message que je veux véhiculer au cours de mes voyages. J'ai le sentiment d'appartenir à une grande famille humaine, et il me semble tout naturel d'aller voir les membres de ma famille qui vivent de l'autre côté de la Terre. Et puis c'est une petite planète, hein. Je suis né sur cette planète, d'abord je veux vérifier qu'elle soit bien ronde. J'ai vérifié, je suis revenu au point de départ, donc elle est bien ronde. Oui, mais tout au long de ces voyages, donc 6 ans à vélo et 1 an à pied, beaucoup de choses bien sûr, beaucoup de rencontres, des gens dits ordinaires, mais qui sont pour moi souvent extraordinaires, et des gens qui m'ont apporté de belles leçons de vie, et c'est ça que je retiens. Une image, choc, Calcutta. Arrivé à Calcutta, la nuit, les papiers perdus, direction le poste de police en pousse-pousse, et au retour, le taxi qui m'avait amené avec un autre voyageur de l'aéroport et dans lequel j'avais laissé tout mon argent, tous mes papiers, était revenu à l'armée du salut où je dormais, me ramener toutes mes affaires. Donc, ouf, le voyage pouvait continuer. Prochain projet ? Prochain projet, pour l'instant, je suis en train de réaliser un film sur les peuples du Mékong. Philippe Jacques, qui a pris goût à l'image et qui prépare actuellement un film sur les peuples du Mékong. Pour découvrir ses aventures, rendez-vous sur son site internet http://chacunsaroute.com.